Ese un nuevo doya. Ese un nuevo vaya. Ote un nuevo doya. Agote un nuevo huyacho. Mi dona mi bo. Ese un nuevo vaya. Ete un nuevo Tu sais, chérie, je t'aime. Mais s'il te plaît, ne recommence plus jamais ça. Raïssa, qu'est-ce que tu viens de me dire? Grace sort avec ton mari. Je t'ai dit que je les ai surpris dans notre lit conjugal. La même Grace. Je les ai vus, tous les deux, nus. Tu comprends ça? Non, c'est pas possible. Viens, assieds-toi. Félix! Félix! Tu as osé faire ça? Hey! Avec la copine de ta femme et de quoi? C'est votre lit conjugal. C'est pas vrai. Moi qui te crois un homme responsable, qu'est-ce que je vais dire à ta femme? Comment je vais la regarder? Hein? Mais Raïssa, qu'est-ce que tu as fait à cette poufiasse de Grace? Tu
voulez que je lui fasse quoi? Hein? Tu me le demandes? Tu aurais dû lui casser un pied? C'est ma meilleure amie. Est-ce que tu comprends ça? Ma meilleure amie. Tu as bien dit meilleure amie. Meilleure amie, mon œil, oui. Quand je te parlais de grâce, tu étais là tout le temps. Grâce à une bonne fille. Nanani, nanana. Voilà. Maintenant qu'elle t'a fait taper d'eau là, tu vas faire quoi maintenant? Je comprends très bien ta colère. Je te comprends. Mais dis-moi, actuellement où nous parlons là, qu'est-ce que moi je fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'étais avec toi quand tu faisais... Hein? Regarde ta femme. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi? C'est comme ça que tu vas la récompenser? Oh, Félix. Non. Tu sais, ce que je peux te dire, lève-toi. Tu peux demander pardon à l'âme de ta femme. Parce que c'est pas ta femme que tu as fait quelque chose, hein? Qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Si c'était moi, Sandra, j'allais lui casser un pied. Tu as bien entendu. Moi-même. Aucune gonne n'ose tourner autour de mon mari. À plus forte raison, rentrer dans ma maison. Suis mon lieu conjugal. Il y a longtemps, tu as creusé ta tombe. Mais avant ça, je lui casse un pied d'abord. Félix, tu as trop exagéré, je te dis. Pourquoi? Ah, les sons. Il a couché avec la meilleure amie de sa femme. Sur leur lit conjugal. Les hommes sont tous des cochons. Tu les vois comme cela. Ma chérie, je pensais que tu connaissais les hommes. L'homme. Tu parles bien de l'homme. Oui. Les hommes. Tous pareils. Nés du même père et de la même mère. Les hommes, ça c'est pas nouveau, hein? On le sait. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui, tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est une surprise. Assieds-toi. Ok, il n'y a pas de souci, mais je voulais te parler. Ok, donc assieds-toi. Alors, c'est une surprise que tu as préparé? Ok. Ma chérie, tu sais que je t'aime très fort. Je sais. Et tu sais que je vois rien sur cette terre qui pourra nous séparer dans ce monde. Tu sais,
Depuis la première fois que je t'ai vue, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. Et je prie tous les jours que rien ne nous sépare. Amen. Ça me fait plaisir. Mais actuellement, j'ai un petit blocage en moi. Un blocage? Oui, j'ai un blocage. Explique-toi. Ah, comment te l'expliquer? Ce blocage est que je vais divorcer. Arrête de plaisanter avec des trucs comme ça. Tu sais, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas, ok? Oh, tu m'étonnes toujours, chérie. Hein? Écoute-moi très bien. Je ne plaisante pas. Je suis au sérieux, je vais divorcer. Et tu me le dis comme ça? Je dois te dire ça comment? Je dois organiser un séminaire pour te dire ça? Tu me dis que tu m'aimes, non? Tu rêves toujours. Écoute-moi très bien. J'ai dit que je t'aimais. Ok? Tu sais, en toute relation, dès le début, c'est quoi? C'est les petites, c'est les petits papotages, c'est les chichis, ça s'amuse, ça dialogue. N'est-ce pas? Mais dès le moment où j'ai senti le blocage en moi, tout ce que je ressentais pour toi est fini. Et là où je te parle, je ne ressens plus rien pour toi. J'ai juste de la pitié qui me retient à tes côtés actuellement. Donc fais-moi une faveur, accorde-moi ce divorce. Ok? Écoute, Chimie, si c'est pour la dernière fois, tu sais que je t'ai pardonné. Je te parle pas de la dernière fois. Tu sais, je t'ai parlé d'un blocage. N'est-ce pas? Et c'est ce blocage qui m'a envoyé à prendre cette décision. Donc je vais divorcer. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui ne va pas. Non, mais attends, parle là! Tu oses lever le temps sur moi? Mais dis-moi ce que j'ai fait! Tu oses lever le temps sur moi? Ça te va pas? Respecte-moi, ça veut dire quoi ça? Raïssa, tu vois maintenant, tu vois ce que je te disais, depuis tout le temps que je te parlais, tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà maintenant, grâce à manipuler jusqu'à aller t'arracher ton mari. Maintenant que ton mari demande le divorce, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. C'est vrai que je suis méchante.
Mais je ne vais jamais oser te donner de mauvais conseils. Tu es comme ma sœur. J'ai un plan. Après, je t'explique. Tu es sûre que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Tu ne me fais pas confiance ou quoi? Bien sûr que je te fais confiance. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Tu as encore pitié de cette poufiasse-là? Après tout ce qu'elle t'a fait? D'accord. On va essayer. S'il te plaît. Raissa, dis quelque chose. Raissa, je suis désolée. Pardon, Raissa, s'il te plaît. Je t'en prie, Raissa, pardon. Pardonne-moi, Raissa, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, Raissa. Raissa, dis quelque chose. Raissa, Raissa, je t'en prie. S'il te plaît, Raissa. Raissa, tu as eu le courage, l'audace de coucher avec mon mari. Raissa, tu me fais mal. Raissa, je te demande pardon. Raissa, s'il te plaît, Raissa, pardon. Pardon, Raissa. Je suis désolée, s'il te plaît. Tu es désolée? Tu es désolée? Tu sais? Raissa. Raissa. Ma grand-mère m'a dit une chose. Lorsque quelqu'un essaie de te tuer et qu'il te rate, eh bien, devance-le! Raissa, je ne voulais pas. Je ne voulais pas te tuer. Je ne voulais pas me tuer. Tu as couché avec mon mari! Oh, je suis désolée, Raissa! Pardon! Dis-moi. Oh, Raissa. Qu'est-ce que tu ressens? Raissa. Hein? Raissa, c'est froid. C'est froid. T'inquiète, ça sera chaud. Je suis désolée, Raissa. Raissa, je sais que tu n'es pas capable de tuer une mouche. S'il te plaît, Raissa. Pardonne-moi. Je t'en prie. Ça, c'était après. Les filles qui sortent avec les maris des autres. Raissa, s'il te plaît, Raissa. Elles doivent toutes mourir, en fait. Raissa, ne fais pas ça, Raissa, s'il te plaît. Raissa. Moi, Raissa, on ne s'amuse pas avec mon mari. Même toi!
Tu ne veux pas mourir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. La belle grâce. Tu sais, on est venu juste pour t'avertir de laisser le mari de Raïssa tranquille. Est-ce bien clair? Hein? Grave. Dis-moi, tu as peur? Tu as peur? Panique. Si jamais, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour t'avertir de ne plus jamais sortir avec le mari de Raïssa. C'est pour ça que vous êtes ramassé. Attends. Vous êtes ramassé avec ce que vous appelez pied là pour venir envahir ma maison. Écoutez, c'est Félix qui me veut. Donc, ramassez-vous. Et putain! Ça ne te va pas? Je dis ça ne te va pas? Tu me connais, non? Tu me connais, non? D'accord. Si je te reprends à sortir avec Félix, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. C'est quoi ça? À genoux! Ça ne te va pas? Regarde-moi bien. Cours-toi! Allez! En plus, c'est le têtu, celle-là. Elle vaut rien. Écoute, ce n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, si on vient chez toi, les filles, qu'est-ce qu'on lui fait? La mort! La mort! Écoutez-moi, je ne veux pas. Tu as bien entendu? Je ne veux pas mourir. La mort. J'ai compris, Sandra, j'ai compris. M-O-R-T. J'ai compris, Sandra, j'ai compris. J'ai compris. Et puis, viens ici. C'est pas encore fini. Si je reviens ici. Oh, Jésus, sauve-moi. Tout ce qui se trouve dans cette maison, je les mets en petits morceaux. Et tu sais qu'est-ce que je vais en faire? Félix Mathieu. Je vais te découper en morceaux. Ah! Et je vais te découper ce qui te sert de je ne sais quoi pour attirer les hommes. Tu as compris? Non. Tout sauf ça, Sandra. Oh yeah.
Chérie, je suis désolé, mais faut qu'on se sépare. Et c'est maintenant que tu me dis ça. C'est quoi la cause? La raison est que je t'aime plus. Donc, c'est mieux qu'on divorce. Et pour cela, je te fais un petit arrangement. Donc, tu auras la maison, la voiture, et tu auras les 30% des revenus de mon entreprise que tu pourras te recommencer une nouvelle vie. Félix. Félix, tu es ingrat. Tu es méchant. Après 14 ans de relation, 6 ans de mariage, c'est aujourd'hui que tu viens me dire ça. Félix, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a traversé, tu sais, non, Félix, si on trouve un serpent et toi là, c'est le serpent qu'on doit laisser partir. Parce que toi, Félix, tu es venimeux. Tu es mauvais. Merci. Et tu me dis d'aller reprendre à zéro. Par où tu veux que je commence? Comment tu veux que je commence? Les hommes. Pourquoi vous êtes comme ça? Et ce qui me fait mal, c'est que tu n'es même pas le seul. Vous êtes rempli comme ça dans le monde, à être méchant. Pourquoi vous traitez nous les femmes comme ça? Pourquoi est-ce que vous nous traitez comme ça? Avec tant de méchanceté. Vous nous utilisez. Vous faites de nous vos esclaves. Ce que vous oubliez, c'est que c'est nous on vous porte. Pendant 9 mois, on prend soin de vous. Et après, on vous épouse. On vous donne des enfants. Mais vous êtes tellement ingrats. Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné un cœur. Félix, comment je dois commencer? La maison.
30%. Félix, je n'ai pas besoin. Attends. Mais c'est pas vous qui c'est là. Ok. Tu as besoin ou tu n'as pas besoin, ce divorce aura lieu. Pour te prouver ce que j'ai pour toi, je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur. Pour te prouver ce que j'ai pour toi, je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement, bébé. Tu l'as fait autrement. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? On dit souvent que les femmes sont mauvaises, mais moi je ne suis pas. Bébé, j'ai tout donné, mon corps d'honneur, ma vie tu l'as eu. Ta cravate qui l'a fait, ta chemise qui l'a fait, même tes vestons qui les fait. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Ma soeur, tous les hommes ne sont pas des mêmes. Ils sont pas tous les mêmes. Le mien m'aime bien et il assume bien ses responsabilités. Il y a une cause, mon frère. Il y a une cause, ma soeur. Il s'est déjà marié depuis son village avec une autre femme. Vois-tu, ton cas n'est pas grave, mais le mien aussi. Non, nous venons souvent à pan-con. Bon, on a sans doute. Ma sœur, pourquoi je reste mariée? Ma sœur, pourquoi je reste mariée? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu me racontais au téléphone? Mon frère a osé te demander le divorce. Et c'est sur quoi il se base pour le faire? Il compte se divorcer de toi pour se remarier ou bien c'est pour rester célibataire toute sa vie? Mais il devient fou ou quoi? Ma belle, de toi à moi, hein? De femme à femme. Tu ne lui as rien fait? Ma chérie, ce n'est pas aujourd'hui que tu me connais. Ça fait 6 ans maintenant que je suis mariée à ton frère. Est-ce que tu as déjà entendu que j'ai fait quelque chose de mal ici? Non. En fait, je ne faisais pas allusion au fait que tu as pu faire quelque chose. Mais tu sais, les hommes d'aujourd'hui ont leur façon aussi de faire comprendre certaines choses quand on les blesse, mais ils n'ont pas envie de dire ouvertement. Tu comprends? Et cette affaire de divorce-là, peut-être c'est juste pour t'effrayer. Sinon, je sais que mon frère, il n'a même pas ce cœur-là pour toi te demander le divorce avec tout ce que tu as subi. C'est même pas possible. Oh. C'est pour t'effrayer. Ma chérie, je t'explique. Tu vois, la dernière fois, je suis sortie. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai surpris ton frère avec ma meilleure amie. Dans notre lit conjugal. Et ça, je n'ai rien dit. Je lui ai même pardonné. Attends. Attends, j'ai bien entendu ou bien j'ai un problème d'audition?
Mon frère a osé te tromper. Pas avec n'importe quelle fille, ta meilleure amie. Et de surcroît sur votre vie conjugale. Aïe, aïe, aïe. Hé, j'ai dit, hein, c'est après ça, hein, qui me dit un beau jour, voilà, je demande le divorce. Depuis ce jour, ma chérie, je ne le reconnais même plus. Franchement, je ne le reconnais plus. Facilement comme ça. Mais les hommes, ils nous prennent quoi à la fin? Dans notre cour familiale, on n'a même pas le respect. On n'a pas notre mot à dire. Parce que selon eux, la femme n'est bonne qu'à la cuisine et à faire des enfants. On espère au moins qu'en se mariant avec le dicton qui dit qu'on forme une seule chair avec son nom, ça allait changer. Mais ça devient encore pire. Mais le mariage, maintenant, ça sert à quoi? Si tu n'as pas ton mot à dire et tu n'es même pas considéré comme un être vraiment important dans sa vie, ça sert à quoi? Ma chérie, c'est ce que je vis actuellement. Tu sais, ma place même est limitée dans cette maison. Je n'ai même pas de mots pour te faire comprendre ce que je ressens actuellement. Malgré notre nom élevé dans la société, rares de femmes occupent des grands postes tout simplement parce qu'ils se disent que notre intelligence est limitée, quel qu'en soit son niveau d'études. Tout ça à cause de quoi? Ils oublient que c'est nous, on les porte dans notre ventre. On risque notre vie pour les mettre au monde. Et c'est nous, on revient encore vivre avec vous pour s'occuper de vous. Et vous nous traitez comme des inutiles, comme des esclaves. C'est pas vrai. Il est temps que ça s'arrête, ma belle. Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour toi, là, ça va s'arrêter. Faut pas en rajouter. Il y a quoi d'en rajouter? Le problème, c'est plus ton appel, c'est entre nous, frères et sœurs. Le peu que tu m'as brossé, ça me suffit largement. Moi-même, je suis énervée, j'ai honte à sa place. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui, tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement, bébé. Tu l'as fait autrement. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? On dit souvent que les femmes sont mauvaises, mais moi je ne suis pas. Bébé, j'ai tout donné, mon poids d'honneur, ma vie tu l'as eu. Ta cravate qui la fait, ta chemise qui la fait, même tes vestons qui les fait. Ouais, mais pourquoi? Ma soeur, tous les hommes ne sont pas des mêmes. Ils sont pas tous les mêmes. Le mien m'aime bien et il assume bien ses responsabilités. Il y a une cause, mon frère. Il y a une cause, ma soeur. Il s'est déjà marié depuis son village avec une autre femme. Vas-tu?
Madame, je vous ai fait appel parce que la situation de votre mari, de santé de votre mari est préoccupante. Mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, je ne vais pas vous cacher, il ne va pas très bien. Mais il y a quand même, je pense, des solutions que nous pouvons trouver. Expliquez-moi, docteur. Bon, actuellement, il a un problème cardiaque assez sérieux qui nécessite que l'on puisse trouver un donneur. Et un donneur, c'est quelqu'un qui pourra donner son cœur pour qu'on remplace le cœur de votre mari. À part ça, l'autre solution, c'est vraiment prier, avoir du courage et affronter. Mais docteur, on parle de combien de temps? Bon, actuellement, on estime son état à... il lui reste environ 3 semaines. Et moi, je suis désolée de vous apprendre ça, mais il faut que nous soyons courageux tous les deux et que nous puissions affronter ce problème-là ensemble. Docteur, vous dites quoi? 3 semaines? Docteur, 3 semaines. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose, docteur. Docteur, j'aime mon mari. Docteur, dans la vie, j'aime 2 personnes. Ma mère et mon mari. Docteur, il ne peut pas mourir. S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose. Aidez-moi. Docteur, ça aussi. Je ne veux pas. Bon, calmez-vous. Comme je vous ai dit, il y a des solutions. Et une des solutions, c'est vraiment prier pour qu'on ait un donneur le plus rapidement possible. On l'a mis sur la liste de ceux qui attendent de recevoir un cœur. Et avec la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Docteur, je peux voir mon mari, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Vous pourrez le voir. Vous pourrez passer un moment avec lui. Il n'y a pas de souci pour ça. Vraiment, c'est l'histoire de maladie. Ah, nous faisons un métier ingrat. Pourquoi que la vie est un jeu? Ma fille, ma fille,
Je ne te comprends pas. Depuis là, tu es arrivé. Je te parle et tu me dis rien. Hein? Maman. Maman, je peux pas vivre comme ça. Arrête, tu vas me faire pleurer. Maman, parle-moi. C'est Félix. Félix? Félix, ça fait quoi? Il t'a battu encore? Maman. Oui. Le cœur de Félix est endommagé. Tu sais ce que le docteur m'a dit? Non. Il m'a dit qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Que si on ne trouve pas un donneur dans 3 semaines? Maman, 3 semaines! Félix va mourir. Ma fille, ça va aller. Du courage. Confie-toi à Dieu. S'il te plaît, ne pleure pas. Maman, je ne veux pas. Je te comprends, ne pleure pas, ça va aller. Ne pleure pas, s'il te plaît, sinon tu vas me faire pleurer aussi. S'il te plaît, ma fille, je t'en supplie, ne pleure pas. Viens mon bébé, s'il te plaît, arrête. Je t'en supplie, arrête de pleurer. Il faut remettre ça rapidement au mari de la dame qui est en chambre 6 là. Pour son mari, tu remets ça à son mari parce que c'est très urgent qu'il aille acheter les produits là urgemment pour son intervention. C'est vraiment très urgent, il faut envoyer ça rapidement. Oui, d'accord, ok, merci, mais ça c'est plus urgent. Allez, rapidement, il faut qu'il amène les produits. Bonjour madame. Comment allez-vous? Voilà, je voulais vraiment vous rencontrer parce que j'ai des nouvelles pour vous. Bon, comme on dit très souvent, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Docteur, qu'est-ce que Dieu donne et qu'est-ce qu'il reprend? Qu'est-ce qui se passe? Docteur, ne me dites pas comment... Non, docteur. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Dites-moi ce qui ne va pas, dites-moi. Calmez-vous, laissez-moi terminer. Je pense que c'est vrai que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Mais cette fois-ci, Dieu a agi. Félicitations parce que votre mari est en meilleure santé. Donc, nous avons pu avoir un donneur, nous avons intervenu. L'intervention s'est très bien passée. Et je pense que si tout se passe bien, en tout cas, d'ici 2 ou 3 jours, il pourra rentrer chez lui. C'est pas vrai! Mais vous m'avez fait peur, ma femme! Oh, merci, docteur! Merci beaucoup! Non, merci, docteur! Je vous en prie! Je vous en prie! Oh, merci, non, mais comme vous savez, c'est... Oh. Oh, Seigneur! Merci, mon Dieu! Merci! Oh, docteur, merci beaucoup! Non, merci, docteur! C'est surtout la main de Dieu! Il faut vraiment remercier Dieu! Remercier Dieu parce que c'est les prières qui nous ont accompagnés. Docteur, je sais que si mon mari est vivant,
c'est que quelqu'un a donné sa vie. Est-ce que je peux voir la personne, docteur? Juste pour la remercier. Juste un instant, docteur. Bon, je dois dire que l'éthique de la médecine ne permet pas de révéler l'identité des donneurs. Et cette personne n'a pas donné aussi l'autorisation de faire savoir qui elle est. Elle a voulu être anonyme. Donc, c'est vraiment difficile et c'est vraiment aller contre l'éthique de notre métier. Docteur, je comprends. Mais s'il vous plaît, cette personne a donné sa vie pour mon mari. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter. S'il vous plaît, docteur, un instant, juste une seconde. Je veux juste lui dire merci. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît. Juste une seconde. Bon, je peux peut-être faire une entorse. Parce qu'on se connaît il y a très longtemps quand même. Je pense que c'est faisable. Que vous puissiez voir la personne quelques minutes et prier pour son âme. D'accord, donc on ira tout à l'heure, mais laissez-moi d'abord terminer avec ce registre-là. Il y a quelques petites signatures à faire en mouvant. Maman, je ne peux pas. C'est quelque chose de vraiment difficile que vous me demandez là. C'est une décision vraiment très grave et vous me demandez l'impossible. Docteur, je vous comprends. Mais comprenez-moi. Vous savez que c'est ma seule fille. Et son mari, c'est le seul garçon que j'ai jamais eu. Vous savez aussi que je suis malade il y a longtemps. Je suis diabétique et tensionnaire. Et c'est la jeunesse. Ils ont la vie devant eux. Par contre, moi, mes jours sont comptés. Et j'ai déjà fait ma vie aussi. J'aime beaucoup ma fille, docteur. Et je suis prête pour tout. Pour elle. Donc, je pense que c'est mieux de donner mon cœur à mon beau-fils. Même si ce n'était pas lui, si c'était une autre personne de dehors comme ça, que je croise actuellement qui avait besoin que je lui donne mon cœur, en tant que mère, je ne veux pas hésiter. Je comprends ça. Je comprends très bien ce que vous ressentez. Mais franchement, j'aurais mieux compris que vous voulez sauver votre fille, votre propre fille. Donner le cœur à votre fille, mais à votre beau-fils. Ah, franchement, j'ai du mal à comprendre ça. Et vous connaissez les hommes. Aujourd'hui, il peut être gentil, très bien avec votre fille, mais demain, personne ne peut savoir ce qui peut arriver. Je suis vraiment désolée, mais franchement, c'est une décision très grave que vous venez de prendre là. Je sais. Mon beau-fils
Il aime bien ma fille. Et je l'adore aussi. Et je suis sûre qu'il ne va jamais laisser tomber ma fille, chérie. Je le sais, docteur. Mais vous savez que vous devez informer votre fille? Non, docteur. Je vous en prie. Tout sauf ça. Ma fille ne doit pas savoir. Sinon, elle ne va jamais accepter que je donne mon cœur à son mari. Elle ne va jamais l'accepter. Docteur. Avec juste raison, bien sûr. Mais, bon, on peut faire autrement. Vous êtes autonome dans votre prise de décision. Et vous aurez juste à signer des papiers pour donner l'autorisation que l'on puisse prélever votre cœur pour votre beau-fils. Mais nous avons encore jusqu'à demain. Et je pense que vous avez encore quelques heures de réflexion. Et demain, nous ferons les tests de compatibilité. Et si vous êtes compatible, nous pourrons donner votre cœur à votre beau-fils. Je sais, docteur. J'ai déjà pris ma décision. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Donc, donnons-nous d'ici demain. Et nous ferons les tests. Et nous allons régler la paperasse juridique. Et nous verrons comment ça évolue. Vraiment. Maman! Maman, tu criais. Si ma mère doit mourir, me laisser seul. Te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui, tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement, bébé. Tu l'as fait autrement. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? On dit souvent que les femmes sont mauvaises, mais moi...
Félix, tu veux divorcer? Félix, tu as oublié! Tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi! Tout ce que j'ai subi! Ma vie! Mon temps! Ma mère! Félix, attends-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui a tiré là? Qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi! Papa, papa, réveille-toi! Maman, maman, réveille-toi! Non! Non, maman, tu veux pas tuer mon mari? Si je me tue, fils dans tout ça. Non, je peux pas. Qu'en va devenir mon fils si on meurt tous les deux? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, mon fils. Vous parlez seul. Approche. Tu sais, mon fils, dans la vie, tout n'est pas rose. Il y a souvent des moments de bonheur et des moments de malheur. Et tu es un garçon. Bientôt, tu seras un homme. Je veux que lorsque tu rencontreras des moments de malheur, tu sois fort et tu affrontes la tête haute. Tu as compris? Oui. Tu sais, ton père est un grand homme, un homme responsable. Je veux que tu sois comme lui, positivement. Quand il s'agira des points négatifs, écoute ton cœur. D'accord? Oui. Maman, je tiendrai bien compte de vos conseils. Quand je serai grand, je ne les oublierai jamais et je m'occuperai de vous. Quand je serai grand, je serai un pilote et je vous mènerai dans mon avion. D'accord. Tu seras un grand pilote. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement, bébé. Tu l'as fait autrement. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela?
On dit souvent que les femmes sont mauvaises. Oui, allô? Oui, bonjour, Oliva. Oui, ça va très bien. Ça va bien? Oui, je vais bien. Non, pour le moment, je ne suis pas encore service. Oui, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, bon, je te donne. Bon, bon, 8 heures comme ça, c'est bon? Voilà, pas de souci. Vous avez besoin de voir la oui, je vais t'appeler. Oui, assurez-vous là, oui, effectivement, bien sûr. Ok. Ok, ça marche. Je compte sur toi. Voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure. Bon, madame, tu voulais me parler? S'il te plaît, écoute-moi très bien. Tu as 30 secondes dans mon temps pour me parler. Donc, s'il te plaît, sois bref. Je t'écoute. C'est vrai que j'ai demandé à te voir. Je veux te parler d'une chose très importante. Je t'écoute. J'ai décidé d'accepter le divorce que tu m'as demandé. Là, tu as intérêt. Voilà donc mes conditions. C'est quoi ces conditions? Je voudrais te demander un mois. Un mois avant le divorce. Et qu'est-ce qui doit se passer durant ces un mois? Durant ce temps, je voudrais qu'on fasse tout ce qui est dans notre pouvoir pour vivre heureux. Ne t'inquiète pas, c'est pour notre fils. Tu sais bien qu'il a son examen en fin de ce mois. Je ne veux pas le perturber avec un mariage brisé. Si ce point, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu te rappelles de comment tu m'as transporté le jour de notre mariage dans la chambre? Oui. Je voudrais que tu me portes comme ça. Chaque matin. De la chambre au salon. Écoute-moi. Tu deviens folle ou quoi? Sans toi, je parle. Qu'est-ce qui te prend? Bon. Pas un problème. C'était deux conditions. Compte sur moi. Je ferai face à ça pour que tu m'apportes ce foutu divorce. Félix. Félix, tu as oublié. Félix, tu ne te rappelles pas de tous nos bons moments qu'on a passés ensemble. Nos peines. Nos choix. Félix. Tout ce qu'on a traversé.
tu ne te rappelles pas. Tous nos moments. Quand j'étais ta reine, Félix. C'est tout? C'est fini? Ok, moi je vais. Félix, Félix, c'est à toi que je parle, regarde-moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Félix, dis-moi que c'est pas vrai. Attends, ta femme là, sa tête là, ça ne va pas dedans, elle est folle. Mais je ne sais pas, tu as dit, tu me regardes, je dis ta femme, mais elle est folle. Je dis, moi grâce, ce qui m'appartient, on ne touche pas à ça. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre même? On ne touche pas à ça. De toutes les façons, je ne suis pas une pour ça. Cette fille-là t'a bourré la tête. Laisse-moi, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as quel problème? Combien de fois je te dis de taper avant de rentrer dans mon bureau? Je te dis ça combien de fois? Patron. Déo. C'est Déo! Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Je sais que tu fais rien avec celle-là. Là, je t'arrête. Je t'arrête. Tu iras mieux quand tu vas te faire ma femme, n'est-ce pas? Regarde. Ça, c'est pas à ton niveau. Donc, laisse la vie. Je dis, c'est pas à ton niveau. Et puis, celle-là, faut la changer. Attends, toi, écoute-moi très bien. Ça fait 45 secondes que nous sommes arrêtés. Là, tu n'as toujours pas dit un mot. Ça commence à m'embêter à la fin, ok? Tu as dit embêter, hein? Tu as entendu embêter? Félix, dis-moi, la pauvre femme t'a fait quoi pour que tu lui fasses subir toutes ces choses? Écoute-moi très bien, tu es très petit pour t'aimer dans ma vie de couple. Je suis un père de famille, c'est comment régler mes problèmes. Toi, un père de famille? Félix, tu sais ce que ça fait d'être un père? Tu sais, tu es peut-être mon grand frère, mais tu es nul dans la tête. Tu n'as rien comme c'est vrai. Parce que quelqu'un qui a quelque chose dans sa tête ne fait pas ce que toi tu fais là. Tu es honte à ta place. Ça va, tu m'as dit ça? Hein? Écoute-moi très bien. Que cela soit la première, la dernière fois que tu viens d'aller dans mon salon me dire ça. Ok? Félix, tu as osé me gifler. Tu as osé lever tes sales mains sur moi.
une chose que nos parents n'ont jamais fait. Sache que chaque chose a un début et une fin. Là, tu as atteint ton terminus. Tu sais, ne me compte plus parmi tes soeurs. À partir d'aujourd'hui, oublie-moi. N'importe quoi, quitte devant moi. Non, mais c'est pas toi. Raïssa! Raïssa! Chérie, tu es déjà là? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, j'ai deux questions à te poser. D'où viens-tu? Je viens de la ville. Tu viens de la ville? Ok, laisse tomber. La deuxième question, qu'est-ce que tu as dit à ma petite soeur? Je te parle! Qu'est-ce que tu as dit à ma petite soeur? Écoute-moi très bien. Ce qui se passe dans cette maison doit rester ici. Tu n'as pas à sortir et raconter n'importe quel individu et expliquer ce qui se passe ici. C'est compris? Félix! C'est ta petite soeur que tu appelles individu? C'est à moi que tu réponds. Je parle et tu réponds. Je parle et tu réponds. Écoute-moi. Tu es une esclave dans cette maison. Et tu resteras une esclave jusqu'à ce que tu m'accordes le divorce. Est-ce que tu as saisi ça? C'est rentré là. Je parle et tu parles. Réponds-moi. Je parle et tu parles. Regardez-moi ça. Avec ta tenue de deuil. Regarde-le. Tu es mort pour moi. Et tu resteras une esclave dans cette maison. Et pour cela, je dois savoir tout ce que tu fais jusqu'à ce que tu m'accordes le divorce ici. C'est rentré? Et je te dis, comment on traite les esclaves dans la maison ici? Je vais te le montrer. C'est comme ça. On traite les esclaves dans ma maison. Maman, je suis un enfant, mais je ne suis pas bête. C'est ce que je te disais la dernière fois. Dans la vie, tout n'est pas rose. Quand tu vas grandir et que tu te marieras, tu verras. Dans la vie de couple, on se taquine souvent. Souvent, il y a des petites disputes. Mais après, ça va. D'accord? Il se lève en bise. Tu vas me chanter. C'est pathétique. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Papa et maman croient que je suis un enfant. Mais ils ne savent pas que je comprends tout. Dieu, toi qui peux, toi qui es Dieu, tu peux résoudre ce problème du foyer. Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose.
Waouh! Papa prend maman dans ses bras. Quelle coupe magnifique! S'il te plaît, ne parle jamais de divorce à mon fils. Junior, viens. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Je t'ai donné tout mon cœur pour te prouver ce que j'ai pour toi. Je t'ai donné toute ma vie, bébé. Mais aujourd'hui, tu l'as fait autrement. Tu l'as fait autrement, bébé. Tu l'as fait autrement. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? On dit souvent que les femmes sont mauvaises, mais moi je ne suis pas. Bébé, j'ai tout donné, mon corps d'honneur, ma vie tu l'as eu. Ta cravate qui la fait, ta chemise qui la fait, même tes vestons qui les fait. Ouais, mais. Raïssa, qu'est-ce que je lui ai fait? Je n'avais plus regardé ma femme attentivement depuis un bon bout de temps. Je réalisais qu'elle était plus jeune. Ma femme a des rides sur son visage. Ses cheveux grissonnaient. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Qu'elle soit intensive. Je lui ai causé tout ce tort sans me rendre compte. Je le regrette aujourd'hui. Mes habits deviennent trop grands ou quoi? Donc c'est la raison pour laquelle je pouvais transporter ma femme facilement? C'est trop grand. Donc elle avait enterré tant de peine et d'amertume dans son cœur depuis ce temps-ci. C'est quoi? Papa, vous aussi, il est temps de porter maman au dehors. Junior, viens. Donc pour mon fils, voir son père transporter sa mère dehors était devenu une partie essentielle de sa vie. C'était comme le jour de notre mariage. Non nous denanons souvena panko, bona sala dobido. Non nous denanons souvena panko, non biche la mie. Non nous denanons souvena panko, bona sala dobido. Non nous denanons souvena panko, non biche la mie. Ma sœur. Marié. Qu'est-ce que tu me racontais au téléphone? Mais je peux même voir. Réponds-moi, qu'est-ce que tu me racontais au téléphone? Je divorce. Tu es sûr que ça va? Tu n'as pas la fièvre, par exemple. Je n'ai pas la fièvre. Assez-toi. Passe.
Grâce du Seigneur. Tu sais très bien que ce que je dis, c'est bien que nous sommes venus de parler. N'est-ce pas? Bah, ton âme est consciente, tu sais vraiment ce qui passe, ce qui se passe entre nous les parents. Donc, ton pouvoir. Tu sais, Grâce, je suis celui qui a causé tout ce qui est arrivé à mon foyer. Donc je pense qu'il est grand temps vraiment de corriger tout ça. Parce que figure-toi, à un moment donné où ma femme et moi, on n'avait plus de complicité. On ne dialoguait plus, il y avait pratiquement rien de nous. Bon, ces derniers mois, j'ai constaté vraiment le tort que je lui causais. Quand j'ai commencé à lui transporter de la chambre au salon, ça m'a fait rappeler de tout ce qu'on a vécu pendant notre mariage. Donc je pense qu'il est grand temps vraiment de ne pas penser à nous et penser aux autres aussi. On s'assied, jamais pas causé. Figure-toi. Il a causé entre elle et moi depuis le début du mariage, vraiment. On n'a plus échangé. Et cela tue notre amour. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Parce que là, on fait souffrir d'autres personnes. Mais je pense que ce n'est pas le moment. Donc, je veux vraiment que tu me coûtes très bien. Enlève tes sales mains de mon corps. Je dis, enlève tes sales mains de mon corps. Félix, tu es un salaud. Je te dis, Félix, tu es un salaud. Comment tu oses me regarder droit dans les yeux et me raconter ce genre de conneries? Pour qui est-ce que tu me prends? Attends, c'est comme je suis en train de rêver même. Est-ce que tu m'as bien regardé? Tu m'as bien regardé, fils. Est-ce que tu m'as bien regardé? Tu m'as pris genre, je sais pas quoi, une orange que tu allais acheter, sucer et jeter la peau? Non mais attends, dans cette relation, moi Grâce, j'ai investi mon temps, mon âge, mon corps, Félix. Comment tu oses me faire ça? Comment tu oses me faire ça? Imbécile! Salopard! Tous les hommes ne sont pas des mêmes. Ils sont pas tous les mêmes. Le mien m'aime bien. Et il assume bien ses responsabilités. Il y a une cause, mon frère. Il y a une cause, ma soeur. Il s'est déjà marié depuis son village avec une autre femme. Vois-tu, ton cas n'est pas grave, mais le mien aussi. Non, nous dénalons souvent un pan-con. Pour la salade au bigo. Non, nous dénalons souvent un pan-con. Non, pitié les milliers. Non, nous dénalons souvent un pan-con. Pour la salade au bigo. Thank you.
Chérie, surprise! Chérie? 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 Non! Ma chérie! Chérie? Chérie? Tu peux pas me faire ça, s'il te plaît! Tu peux pas me faire ça! Passe à notre enfant! Tu peux pas me faire ça, je t'en prie! Chérie? Mon mari, je suis désolée. Je souffrais du cancer de sang depuis des mois. Et le docteur m'avait dit que j'allais mourir dans peu de temps. Mais si j'étais heureuse, cela allait me sauver. Docteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'avais pas le cancer avant. Avec tout ce que vous m'avez dit, franchement, je suis perdue. Oh, c'est comme ça. On ne naît pas avec le cancer. Le cancer, on peut l'avoir à n'importe quel moment et n'importe qui peut avoir le cancer. Donc, je suis désolée que ça vous arrive. Mais bon, nous allons trouver des solutions. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, surtout au bureau. Et le traitement, vous le suivez méticuleusement. Et en plus de ça, il faut éviter au maximum le stress. Il faut éviter le stress. Il faut tout faire pour être le plus heureuse possible, avoir beaucoup de joie dans votre vie et éviter les bagarres inutiles à la maison. À propos même de ça, je pense que c'est important que si vous pouvez demander à votre mari de venir me voir, comme ça je vais mieux lui expliquer. Mais vous pouvez aussi lui en parler pour voir dans quelle mesure, en tout cas, il va vous aider à surmonter cela. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est une maladie, on guérit de cette maladie. D'accord, docteur. Je vais lui en parler. Mais si je suis tout ce que vous aviez dit, ça pourrait aller? Ah, bien sûr, ça ira. Et ça ira. Je pense qu'il faut avoir foi en Dieu. Et avec beaucoup de prières, ça ira. Ça ira très bien. Ne vous en faites pas. On se battra ensemble. Et c'est ce jour que je t'ai surpris avec grâce dans notre lit conjugal. Je ne voulais pas affecter notre enfant avec un divorce. Raison pour laquelle je t'ai posé toutes ces conditions. Aujourd'hui, notre fils a une bonne image de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Et je sais que tu as été manipulée par grâce. Prends soin de toi, ainsi que de notre fils Junior. Adieu. Tous les hommes ne sont pas des mêmes. Ils sont pas tous les mêmes. Le mien m'aime bien et il assume bien ses responsabilités. Il y a une cause mon frère, il y a une cause ma soeur. Il s'est déjà marié depuis son village avec une autre femme. Vois-tu, ton cas n'est pas grave, mais le mien aussi. Non, nous dénalons sous un pancon, pancon. Bon ensemble à Gopigo, non nous dénanons souper dans pancon, pancon, non oui tu es la mieux, non nous dénanons souper dans pancon, pancon, bon ensemble à Gopigo, non nous dénanons souper dans pancon, pancon, non oui tu es la mieux. Ma soeur, pourquoi je reste mariée?